Ben, comme vous pouvez voir, non, j'ai pas fini les vidéos. Il m'a appelé, ben, je me suis fait appeler hier pour me dire oui, va-t'en là, puis finalement, je me fais appeler non, finalement, ça a été annulé. Ben, la nouvelle place, comme je parlais, que je suis posé de travailler bientôt. Puis là, mon dispatch me rappelle de 10 minutes plus tard, j'ai besoin de toi demain, tu t'en vas à Rimouski. Ok, parce que là, moi, j'étais. Non, c'est beau, je l'appelle et je vais. J'ai besoin de toi, il faut que tu ailles là, ils ont besoin de propane, fait que tu t'en vas là. Fait que, je n'ai pas dit non. Je m'en vais pas tout à fait dans la ville de Rimouski, je m'en vais peut-être une quinzaine de minutes avant. Je pense que c'est le BIC, Pointe-au-Père, Rimouski, dans ces coins-là. Fait que, vu qu'ils sont encore dans la zone de dégel, eux autres, je pense à la zone 2. Ouais, c'est ça, la zone 2, ben, je mets juste 46 000 litres dans la remorque. Le dégel n'est pas fini encore dans ce coin-là. Fait que, ben, j'ai pas le choix. Fait que là, je vais décoller si je veux revenir à soir. Si je me fie à mon GPS, c'est à peu près 5h14, mais quand je checkais sur mon autre GPS, c'était 4h30 dans ces coins-là. Fait que, si je veux avoir assez d'heures pour venir, faut que je décolle parce que sinon ils vont m'en manquer. C'est minimum 4 heures aller. Donc retour, ça fait 8 heures, plus le temps, mais ça va dépendre s'il y a du trafic, s'il y a du plein d'affaires, ainsi de suite. Fait que ben, moi, je vais vous prendre des images en montant, c'est officiel, parce que si la température le permet, il y a des beaux spots. J'ai déjà été dans ce coin-là, mais pas avec vous. J'avais pas commencé à faire des vidéos encore la dernière fois que j'ai été dans ce coin-là. Moi, j'avais été à Matane deux fois, puis Marsoui, qui est encore plus loin. Mais je faisais pas de vidéo à l'époque. C'est vraiment ce qui m'a donné. Il faut vraiment que je fasse des vidéos. Le paysage est beau dans ce coin-là, puis là. Puis finalement, je pense que c'est 3-4 mois plus tard, j'ai commencé à faire des vidéos. Mais c'est ça. Fait que là, je décolle, j'ai assez parlé. Fait que tout de go, Rimouski. Okay.
gang! Fait qu'ici, je vous confirme que c'est bien la première fois que je viens ici avec vous, en fait, donc. J'ai jamais été aussi loin en filmant les images. J'aurais aimé ça, mais à l'époque, j'avais comme pas encore pensé à faire des vidéos. Petite anecdote, ici sur la région, il y a eu des feux de forêt, là, plusieurs années. Puis, ben, maintenant, ils l'ont perdu. Ils ont perdu le contrôle. Ça s'est mal brûlé de partout. On voyait des images. Je voyais d'en haut ici, il me semble que c'est ça, oui. Non, terminal, oui, je crois que c'est ici. On voyait la boucane de loin. Puis quand on lançait la radio, ben, on est en train de faire le contrôle. Ça brûle de partout. Les fermiers de la région, avec le tanker à Lisier, au lieu de rembourser la marque, liquide en fin de compte. Ils se sont plantés soit dans un gros ruisseau ou bien une place qui était capable de siphonner de l'eau, ben ils ont mis ça. Ils siphonnaient de l'eau, ils allaient apporter ça aux pompiers, à la sauveur aussi, plus loin, qui déversaient ça dans des gros tankers pour qu'ils puissent avoir de l'eau. Les gars faisaient la navette d'un bord puis de l'autre. Quand je suis passé, il devait y avoir une dizaine de tracteurs. Tu voyais ça, là, ils ont piqué au travers du champ pour aller le plus vite possible. Puis il y en a d'autres qui passaient au travers des ils se sont comme fait un chemin dans le champ, puis dans le bois pour arroser, puisque ça arrose large, puis ça en déverse de l'eau. Fait qu'ils ont réussi à le maîtriser, puis à l'étouffer comme ça, avec l'aide des avions, des avions bombardiers d'eau. La sauve-feu, les pompiers de la région, puis les fermiers, là, ils en ont siphonné de l'eau, ils en ont déversé de l'eau justement pour réussir à le contrôler, puis c'est comme ça qu'ils l'ont eu. Je me rappelle plus combien d'arbres ils ont perdu, mais il me semble que c'était beaucoup. Puis moi je passais là-dedans. Les vitres fermées, l'air sur recyclage intérieur, puis on sentait la boucane. On passait au travers d'un mur. Ils ont même mis des cônes pour bloquer une voie parce que le feu s'approchait de l'autoroute. Puis on voyait les bombardiers là, bombardier de l'eau, pas loin de l'autoroute en plus, pour essayer de le couper. Mais comme ils disent, si jamais il y avait eu quoi, il y aurait l'autoroute pour faire un bon mur pour le feu. Puis il y aurait déversé, il y aurait coupé l'autoroute, mais je me souviens qu'il me semble qu'ils n'ont pas bourré l'autoroute. Fait que là, moi je continue, direction toujours Rimouski. Il me reste 1h36 avant d'arriver là-bas. Puis je continue à vous prendre des images parce qu'il y a des beaux spots ici. C'est vrai qu'il y a des pans rocheux qui montent, c'est pas des montagnes, ils sont pas bien ben hauts, mais ça pousse d'un bord, puis je sais pas pourquoi, je sais pas. Fait que c'est ça. Fait que moi je vous reviens tantôt, puis que j'arrive, ou bien que je décolle après avoir tombé mon voyage, gang. Fait que, salut.
Salut gang! C'est fait, mon voyage est dompé. Quand je suis arrivé, on cherchait la petite clé parce que moi j'ai pas de clé ici pour ouvrir la porte. Vu que c'est la première fois, habituellement c'est comme pas mon secteur. J'ai cherché une dizaine de minutes à peu près, on a fini par la trouver. Elle était bien cachée. Fait que, comme je disais, mon voyage est dompé. J'ai rien d'autre. De toute façon, il reste à 5h52. Fait que là, direction bureau. Puis c'est en descendant tantôt, je vais savoir ce que je fais demain. Savoir si je m'en vais à Beauharnois pour me montrer le voyage et ainsi de suite. Pour savoir c'est quoi la job dans le fond. Là. Il me la donne, mais je ne sais pas encore c'est quoi. Fait que je décolle. Puis on va voir ça tantôt. Fait que tantôt gang.
Thank you.